L'actualité à la une ce soir, le Burkina Faso renforce ses relations militaires avec le Mali. Le ministre malien de la Défense est à Ouagadougou. Il échange avec la partie burkinabè sur le partenariat en matière de sécurité entre les deux pays dans l'optique de renforcer la lutte contre le terrorisme. Les opérations militaires conjointes vont se renforcer ainsi que le partage des expériences, comme vous le verrez dans ce 20h. Dans le 20h également, le logotype du label Poulet Bicyclette dévoilé. Le processus de labellisation du poulet de race locale est arrivé à terme avec ce dévoilement du logotype. Une labellisation qui devrait permettre de valoriser le produit, de faciliter son positionnement sur le marché international et d'empêcher sa disparition, comme vous le verrez dans ce journal. Dans le journal également, Bolomakoté, ce quartier populaire de la ville de Bobo-Dioulasso, jadis réputé pour son ambiance parce qu'il est creusé d'artistes et connu pour ses cabarets. Aujourd'hui, force est de constater que l'atmosphère joyeuse qui animait Bolomakoté tend à disparaître. Pourquoi cette situation? On en parle dans ce 20h. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Le ministre malien de la Défense échange avec les autorités burkinabées. Il est question de coopération militaire dans le but de se mettre ensemble, de mutualiser non seulement les efforts, mais aussi les moyens afin de faire face à l'ennemi commun qui est le terrorisme. Le président de la transition qui a reçu le ministre malien à cet effet a eu un tête-à-tête donc avec le ministre malien et a félicité les forces armées maliennes pour cette approche bilatérale. Sekou Zongo pour les détails. C'est une forte délégation d'officiers maliens qui débarque à la base aérienne 511 de Ouagadougou. Elle est conduite par le ministre de la Défense et des anciens combattants, colonel Sadio Camara, accueilli par son homologue burkinabé, le colonel-major Kassoum Koulibaly. Une visite au pas de course qui commence par une audience que le chef de l'État burkinabé accorde aux militaires maliens. Le colonel Sadio Camara est porteur d'un message du président Assimi Goïta à son homologue, le capitaine Ibrahim Traoré, qui avait à ses côtés son premier ministre, maître Apollinaire Kielem de Tambela. Selon le chef de la délégation malienne, la coopération militaire entre les deux pays est au cœur de cette visite. Nos deux États et au-delà, nos deux peuples sont non seulement unis par la géographie et l'histoire, mais se battent aujourd'hui au quotidien contre un ennemi commun, le terrorisme. Donc, nous avons reçu les instructions de nos chefs d'État de se mettre ensemble, de mutualiser non seulement les efforts, mais aussi les moyens pour pouvoir faire face à cet ennemi commun et pour le bien-être de nos populations. Après cette audience, place à une séance de travail entre officiers maliens et burkinabés. Une séance de travail qui a permis aux deux parties de passer en revue le partenariat entre les deux pays dans l'optique de renforcer la lutte contre l'ennemi commun, le terrorisme. Le colonel-major Kassoum Koulibaly, lui, se réjouit de cette dynamique de partenariat. Il encourage donc les chefs d'état-major généraux des armées des deux pays à poursuivre la mise en place de stratégies communes conformément aux instructions des deux chefs d'état du Mali et du Burkina Faso. Et dans cette optique, la lutte contre le terrorisme, aucun effort n'est de trop. Dans ce sens, le président de la transition a présenté la situation sécuritaire au patron de détresse burkinabé. Pendant plus de 2 heures d'horloge, le chef de l'État et les acteurs de la presse ont eu des échanges francs et sincères sur l'évolution de la menace, les groupes terroristes agissant sur le territoire burkinabé et leurs ambitions. C'était donc dans l'après-midi du vendredi. Le compte-rendu est signé au Lopoda. La situation sécuritaire préoccupante commande aujourd'hui plus de professionnalisme dans la collecte et le traitement de l'information.
Ces mots sont du président de la transition qui estime que la presse nationale doit jouer sa partition dans la reconquête du territoire national. Et dans ce contexte de crise, le capitaine Ibrahim Traoré appelle les journalistes au sens du patriotisme, du sacrifice et de l'intérêt général. Je retiens l'appel lancé aux professionnels des médias à faire leur part dans la guerre qui nous est imposée, à savoir travailler de façon professionnelle, contribuer donc à galvaniser les soldats au front. La plupart de nos médias aujourd'hui, il y a un volet important qui est plus ou moins délaissé, notamment le traitement. J'ai comme l'impression que de plus en plus, on se contente de collecter et de publier sans traiter. Et dans une situation aussi délicate que celle que nous vivons aujourd'hui, il est à mon sens souhaitable que nous revoyons un peu nos façons de travailler, que nous nous réorganisons dans nos différentes rédactions. Le Burkina est en guerre avec tous ses compartiments et les médias peuvent aussi apporter quelque chose parce que faisant, étant partie prenante de ce qu'on a comme composante au Burkina Faso, cela a été rappelé. Je pense qu'on est prêt à jouer cette partition-là. Et puis nous sommes des journalistes, on a aussi ce qui nous caractérise, éthique, déontologie et tout. On le mettra en valeur, on fera comme il se doit et puis apporter notre pierre à cet édifice-là. Dans ce contexte de guerre, il faut revoir les façons de travailler. Les responsables des médias nationaux sont bien conscients et au chef de l'État, ils suggèrent un cadre de concertation périodique en vue de renforcer la collaboration franche entre les forces armées nationales et les médias. Renforcer les rapports, de faire en sorte que justement la presse ait justement cette primeur de l'information et que les forces de défense et de sécurité ne travaillent pas à enrichir ou à crédibiliser des activistes au détriment des médias professionnels parce que nous avons le sens justement du recoupement, ce qui n'est pas le cas des activistes malheureusement qui balancent tout avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Ce que nous avons souhaité, c'est qu'il y ait plus de collaboration entre les forces de défense et de sécurité et les médias burkinabés. L'autre souhait que je retiens, c'est que l'information du Burkina puisse sortir d'abord à partir des médias burkinabés. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup édifié. Et j'ai beaucoup apprécié ce temps qu'il a eu à nous dire. Il a eu une oreille attentive, il nous a écoutés. Et ce sont des choses qui seront prises en compte. Et je pense que nous avons, nous aussi, expliqué au président jusqu'où nous nous sentons responsables parce que la politique globale qui a engendré à la fois, c'est mon point de vue, l'armée que nous avons, les autres corps de la société que nous avons avec la presse et même le terrorisme que nous vivons là, c'est une politique peut-être qui nous est totalement étrangère et face à laquelle nous devons tous ensemble prendre conscience et prendre nos responsabilités. Je crois que c'est à cette phase-là que nous sommes et les échanges avec le président nous permettent de nous ressaisir là où nous n'étions pas suffisamment armés et ancrés dans nos fondements. Les acteurs du monde des médias sortent de cette rencontre avec la conviction de mieux faire afin de contribuer au retour de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso. Et puis une délégation de la CEDEAO chez le Premier ministre, elle est venue proposer l'aide et le soutien de l'institution communautaire au Burkina Faso dans sa lutte contre le terrorisme. À sa sortie d'audience, le chef de délégation s'est confié à la presse. Explication avec Estelle Assogba. La résidence du Premier ministre y est dans la soirée. La ministre des Affaires étrangères de la coopération accompagne les autres Burkinabés. Une délégation de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, conduite par son commissaire des Affaires politiques, paix et sécurité. Olivia Rwamba et les membres de la CEDEAO sont venus faire le point de la séance de travail dans la journée d'hier au chef du gouvernement burkinabé, une séance de travail qui a essentiellement porté sur la question sécuritaire au Burkina Faso et les mesures à prendre pour soutenir la transition pour la restauration de la stabilité du pays. La CEDEAO a le devoir de prendre sa responsabilité en soutien au Burkina Faso. Et pendant le sommet qu'on va avoir, les chefs d'État
et de gouvernement de notre sous-région vont aborder concrètement comment opérationnaliser, n'est-ce pas, le cadre de la lutte contre le terrorisme dans notre sous-région. Concrètement, comment on peut même mobiliser une force pour venir à l'aide de Burkina Faso qui se trouve au cœur même de la région. Et si il y a un problème ici, ça sera un problème régional. Un mécanisme de soutien à la transition pour faire face aux défis humanitaires sera également mis en place. Et la CEDEAO ne sera pas seule. L'Union africaine et l'ONU seront également aux côtés du Burkina Faso. Au camp de gendarmerie de Paspanga dans la capitale burkinabé, la direction de l'action sociale de la gendarmerie vient d'être dotée de nouveaux locaux, du nouveau donc pour répondre aux besoins des gendarmes et de leurs familles. L'inauguration des locaux est intervenue ce 11 novembre en présence de Maria Matamboura. Trois nouvelles infrastructures pour de meilleures conditions d'assistance psychosociale au sein du camp Paspanga. La direction de l'action sociale de la gendarmerie, composée de deux bâtiments, un centre d'éducation préscolaire et enfin le centre Massadjami, qui signifie résilience en langue locale gouin. Il s'agit d'un centre polyvalent pour blessés de guerre. Il est composé d'un espace de jeu, d'une bibliothèque, d'une salle de conférence et d'une salle d'entretien psychologique. L'inauguration de ce centre vient témoigner de la volonté du commandement d'accompagner les hommes qui sont allés sur le terrain et qui malheureusement sont blessés aujourd'hui, leur permettre de savoir qu'ils font toujours parmi nous et qu'on ne les oublie pas. Ils sont nos héros, ils sont le symbole vivant de notre engagement. Les autres centres sont en cours d'ouverture aussi parce que c'est un engagement pour nous et nos partenaires et aussi tout le peuple burkinabé derrière notre armée. Moi, en tant que citoyenne burkinabé, je suis reconnaissante et je peux que dire merci et que la paix revienne dans notre pays. La direction de l'action sociale fait désormais partie intégrante de l'organigramme de la gendarmerie nationale dans la lutte contre le terrorisme. Au camp Paspanga ici, cette direction aura pour mission de veiller à l'amélioration des conditions sociales, à l'équilibre psychologique et à l'encadrement socio-éducatif du personnel. Le social fait partie de l'opérationnel. Le soldat de son vivant, quand il voit comment on traite ses arrières, les arrières de son ami qui est tombé, ça détermine son engagement au combat parce qu'il y a beaucoup à faire. Le nombre des veuves monte, le nombre d'orphelins monte. Donc les états-majors d'armée qui arrivent à anticiper sur les choses comme ça, ça nous arrange. L'inauguration de ces trois infrastructures sociales est l'expression ferme de l'engagement du commandement à servir la cause des hommes engagés sur les théâtres d'opération. Et puis l'Observatoire indépendant des valeurs civiques et citoyennes OIVC était face à la presse le 12 novembre pour appeler à une mobilisation dans le recrutement massif des VDP. Il a aussi appelé les politiques et autres candidats aux prochaines élections à travailler à la sensibilisation de leurs militants sur le civisme et le respect de l'autorité. Draman Dadia. Dans toutes les zones de l'Est, du Nord. Leader de l'OIVC, une organisation de médiation sociale, Idrissa est également un volontaire pour la défense de la patrie. Un VDP qui, par voie de presse, appelle à l'adhésion des Burkinabés pour la réussite de l'opération de recrutement massif des VDP. 50 000 supplétifs civils en soutien à l'armée dans la lutte contre le terrorisme. La campagne s'achève le 18 novembre prochain. L'Observatoire indépendant des valeurs civiques et citoyennes tient donc à relever le défi de la mobilisation populaire. Et même depuis une semaine, d'autres camarades de l'organisation sont un peu partout au Burkina, pas dans les grandes villes, mais dans les zones inaccessibles, dans les zones dites rouges, pour mobiliser les gens à sortir. Pour ma part, je vous dis que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je suis VDP, ça vaut un an et quelques, et je pars au front. Je n'ai pas attendu l'appel au recrutement massif. S'enrôler est pour lui un acte patriotique, la meilleure façon de témoigner son amour pour sa patrie. La sécurisation du territoire national est de la responsabilité de tous, foi de l'OIVC, attachée aux valeurs de civisme, de citoyenneté et de démocratie. Ce n'est pas un soutien au MPSR de
Mais c'est un soutien vraiment à la transition, comme je l'ai dit, il faut être réaliste. Ce n'est pas du militantisme aveugle, mais il faut qu'on on aide le Burkina vraiment à renouer avec la démocratie. Contribuer à l'effort de guerre contre le terrorisme est pour l'Observatoire indépendant des valeurs civiques et citoyennes un impératif pour les Burkinabés, appelés à agir et dans l'urgence. Et avant de poursuivre ce communiqué du porte-parole du gouvernement, le 10 novembre 2022, le gouvernement a été saisi par le bureau pays du Haut Commissariat des droits de l'homme au Burkina Faso pour des allégations de violations supposées des droits de l'homme. Dans sa note d'information, le bureau indique que le 9 novembre 2022, vers 14h, le 14e régiment interarmes de Djibo aurait tiré des obus sur les villages de Oldé, Yaté, Mena et Dabaré, Pogolel, situés à environ 10 km du camp militaire du régiment et de la ville de Djibo, province du Soum, région du Sahel. Aucune source contactée n'a été capable pour l'heure d'établir un bilan exact, mais disent qu'il y a plusieurs personnes tuées, y compris des femmes et des enfants. Ils disent également craindre que les tirs ne se poursuivent aujourd'hui, 10 novembre 2022 et les jours à venir. Le gouvernement remercie le bureau du Haut Commissariat des droits de l'homme pour sa démarche d'information et l'esprit de collaboration constructive dans notre pays pour la défense et la protection des droits de l'homme, surtout dans le contexte actuel de crise sécuritaire. Il rassure l'opinion nationale et l'ensemble de la communauté internationale que dans sa lutte contre le terrorisme, le Burkina Faso est particulièrement soucieux du respect des droits de l'homme. Le gouvernement n'est pas surpris par ces présentes allégations de violations graves des droits de l'homme à l'encontre des forces de défense et de sécurité burkinabè. Elles interviennent à un moment où des actions offensives sont engagées par nos vaillantes forces combattantes contre les groupes armés terroristes qui opèrent dans la région du Sahel suite à l'attaque du camp militaire du 14e régiment interarmes de Djibo le 24 octobre 2022. En tout état de cause, sans préjudice de la mise en œuvre de son obligation d'investiguer sur les allégations visées, le gouvernement rappelle que à la communauté internationale et à l'opinion publique nationale que ces groupes armés terroristes sont coutumiers de la manipulation et de la désinformation, surtout lorsqu'ils sont mis en difficulté, comme c'est le cas actuellement. Le gouvernement invite l'opinion nationale et internationale à ne pas tomber dans les pièges perfides orchestrés par des terroristes aux abois dans le dessein de jeter l'opprobre sur nos forces de défense et de sécurité et nos volontaires pour la défense de la patrie, dont le sens de l'engagement est celui de la préservation de la paix, de la sécurité et de la dignité humaine. Le combat que nous menons est celui du droit à la vie pour des millions de Burkinabés, le droit de vivre librement et dignement sur leur sol. Le gouvernement est convaincu que la lutte contre le terrorisme ne peut réussir que si les acteurs engagés respectent pleinement ces valeurs qu'eux-mêmes défendent et pour lesquels ils sont prêts à les sacrifier et à des sacrifices, y compris les sacrifices ultimes. C'est dans cet esprit qu'il a toujours œuvré à doter les éléments de force de défense et de sécurité de connaissances pour les habiliter au respect des droits humains dans leur mission. À cet égard, une cellule prévoyant chargée de la discipline militaire et du respect des droits de l'homme et des personnes interpellées et détenues lors des opérations a été créée et est fonctionnelle au sein de chaque unité des forces de défense et de sécurité opérant sur le territoire. Chaque fois que les allégations de violation des droits humains visent nos forces de défense et de sécurité, lors d'opérations antiterroristes, des enquêtes approfondies sont diligentées en vue de faire toute la lumière et sanctionner les auteurs de ces cas de violation établis. Le gouvernement entend poursuivre dans la même dynamique et réaffirme sa ferme volonté à combattre la violence terroriste jusqu'à la libération totale de notre territoire dans le strict respect des droits humains. Donc c'est signé le porte-parole du gouvernement, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo.
Et pour la suite du journal, le ministre de l'Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques a procédé ce 11 novembre à Ouagadougou au dévoilement du logotype du poulet bicyclette. La labellisation du poulet de race locale, aujourd'hui une réalité, devrait permettre une meilleure valorisation de ce produit et faciliter son positionnement sur le marché international. Des détails avec Dramanso. Le poulet bicyclette, c'est gallinacé de race locale, désormais protégé par un label. De la conception des normes à l'élaboration des cahiers des charges, le dévoilement du logo est l'aboutissement de 6 ans de procédure. Pour les acteurs de la filière volaille, le label poulet bicyclette vient renforcer la place du poulet de race locale qui fait face à la concurrence des poulets de chair et ceux de race exotique. Le logotype est protégé par l'Organisation ouest-africaine de la propriété intellectuelle. Donc cela permet de vendre notre produit sur le marché international et de sécuriser aussi le consommateur. Tout le monde sait que le poulet bicyclette est fortement apprécié au Burkina Faso et même au-delà de nos frontières. Donc c'était pour permettre à nos producteurs vraiment de se positionner sur le marché national, le marché sous-régional et le marché international. C'est un concours qui a abouti au choix du logotype du label poulet bicyclette. Le premier prix d'1 200 000 francs CFA revient à Abdoul Gabarou Balma. Le logo dans l'ensemble s'est construit autour de 4 éléments. Le goût, le dynamisme et puis les localités, c'est-à-dire les différentes régions. Si vous voyez le support, ça représente une assiette et ça représente aussi une capsule. C'est pour matérialiser le goût particulier du poulet bicyclette. Après la labellisation, les acteurs se lancent dans la mobilisation des investisseurs en vue de faire du poulet bicyclette l'une des principales sources de revenus des ménages, surtout les jeunes et les femmes du milieu rural. Et à marge des journées promotionnelles des produits de l'ANACARD, une séance de dégustation a été organisée. Une séance qui a permis de découvrir une diversité de mets faits à base de noix de cajou. Un cadre de valorisation de la noix de cajou. Ismaël Satuné Paré, explication. Des mets à base de la noix de cajou, prêts pour la dégustation. Entre autres, du djouka au fonio, des brochettes, de la glace. J'ai l'heure de m'imaginer que à partir de noix de cajou, on puisse faire autant de produits plus divers les uns que les autres. Par la diversité des mets, par la diversité des produits à base d'anacarde. Passons donc des mets, des plats de résistance, des plats, des entrées, des desserts, des produits de grignotage. Vraiment, je suis très émerveillée. Faire découvrir les potentialités et valeurs nutritives de la noix de cajou, première du genre. Et au-delà, c'est la promotion du consommant local qui est prônée. Cette séance de dégustation permet que les participants qui sont ici puissent découvrir les mets qu'on peut faire à partir de l'anacarde et qu'on puisse intégrer ça dans les habitudes de consommation des populations burkinabées. Le Burkina est un pays producteur et transformateur de l'anacarde et ce produit jusque-là est méconnu par la population nationale. Et cette activité, c'est une occasion pour nous de montrer nos savoir-faire. Avec une production annuelle de 120 000 tonnes de noix de cajou au Burkina Faso, de telles initiatives concourent à la transformation de cette matière. Toute chose qui apportera une plus-value, foi des organisateurs de cette activité, qui s'inscrit dans le cadre des journées promotionnelles des produits de l'anacarde. Et puis Unicom Network Burkina Faso fête ses 11 ans d'existence. C'est une plateforme mondiale qui offre à ses utilisateurs des conditions maximales de sécurité favorables aux affaires. Occasion également pour l'association de la communauté Network de faire un don de vivres aux femmes déplacées internes. Bienvenue dans ça. Unicom Network, 11 ans au service du numérique qui offre aux utilisateurs des conditions optimales de sécurité. 11 ans d'édification d'un environnement favorable aux affaires, fêté ici par l'association de la communauté Unicom Network du Burkina Faso à Koumbéef.
Une occasion pour encenser un réseau mondial créateur de richesses grâce à une monnaie digitale dénommée YEM. Depuis 2011, au Burkina Faso, il y a eu beaucoup d'adhérents, grâce bien sûr à nous qui sommes les tenants de la chose, y compris avec tous les grands leaders de partout dans le pays. Nous avons pu impliquer des milliers de Burkinabés et cette monnaie-là passe pour être même une révolution mondiale. Nous avons pu et donner de l'espoir à toute la communauté Unicorn Network et à toute la population, plus que 500 000 Burkinabés, qui sont dans l'espoir d'être immensément riches pour le développement de ce pays. Et il est de bon ton qu'on se retrouve en conclave et qu'on fête cela. La mise en place de l'ACOMBF et la création d'une société au nom de Smart Chain International, des acquis parmi tant d'autres. Un événement célébré avec une pensée pieuse à l'endroit de toutes les victimes du terrorisme. Le message que je voudrais porter à la communauté burkinabé d'une manière générale est que nous puissions mettre notre confiance en Dieu, savoir que c'est Dieu seul qui a la solution à nos préoccupations et que cette situation désastreuse sera vaincue. Des exactions vécues par une bonne partie de nos populations et qui se retrouvent hors de leur village. Nous avons l'obligation de venir à leur secours et d'exprimer notre solidarité à leur endroit. Et pour matérialiser leur solidarité, ces vivres sont remis à ces femmes déplacées internes de l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Nous avons voulu apporter notre pierre et au soutien des personnes déplacées dû au terrorisme dans notre pays. Ce geste ne sera pas le dernier fois de la présidente de l'association de la communauté Unicorn Network du Burkina Faso, une structure qui entend se positionner comme l'un des acteurs majeurs au service des populations en situation difficile. Le festival Ciné Droit Libre a lancé officiellement ses activités à Bobo-Dioulasso ce 10 novembre 2022, en cours depuis le 7 novembre. Cette 16e édition de Ciné Droit Libre intervient après l'édition principale tenue à Ouagadougou en 2021. Des projections de films ont engagé, des masterclass et des rencontres d'échanges sur le thème principal qu'est l'avenir pour nos enfants vont animer donc ce festival qui s'achève d'ailleurs ce soir. Julien Dambélé. Quel futur pour nos enfants? C'est la problématique que pose la 16e édition décentralisée du Ciné Droit Libre. Ce festival du film sur les droits humains et la liberté d'expression fait honneur aux populations de SIA par la présente ouverture officielle. Quel futur pour nos enfants? Parce qu'on se préoccupe. Quand on regarde aujourd'hui tout ce qui se passe, on se dit, mais que vont devenir nos enfants? Dans quel monde nos enfants vont vivre? Nous avons une lourde responsabilité, nous, aujourd'hui, adultes d'aujourd'hui. Nous devons baliser, nous devons tout faire pour que nos enfants viennent trouver un monde où il fait bon vivre. C'est cette interpellation-là qui va être un peu le fil rouge de Ciné Droit Libre à Bobo-Dioulasso. C'est une belle idée qu'en ces temps de conjoncture, l'équipe de Ciné Droit Libre est arrivée à décentraliser ce festival pour permettre à tous les enfants, à tous les jeunes qui ne sont pas forcément de capitale, de pouvoir avoir accès à des informations dont ils n'auraient pas en temps normal. Débuté le 7 novembre dernier, le festival Ciné Droit Libre se poursuit dans la ville jusqu'au 12 novembre prochain avec plusieurs activités au menu. Nous restons dans la salle Casimir Koné le vendredi 11 et samedi 12 pour projeter des films suivis de débats, de très bons films que j'invite donc la population à venir voir. Ensuite, nous serons aussi dans d'autres quartiers populaires. Il y aura des masterclass pour les jeunes réalisateurs, il y aura des masterclass pour les jeunes humoristes. Donc c'est un programme très dense, très riche. C'est un peu comme Ciné Droit Libre en fait. Cette 16e édition décentralisée du Ciné Droit Libre intervient à Bobo-Dioulasso après un passage dans 5 autres villes du pays, à savoir Kaya, Dédougou, Boromo, Dano et Diébougou. Fin de formation en jeu d'acteurs pour une dizaine de filles sous le thème « Une autre vie pour une formation résiliente ». La présente formation est initiée par l'association Ellipse, l'objectif étant de promouvoir l'humour auprès de la jeune féminine. La cérémonie de clôture est intervenue ce 11 novembre en présence de Bienvenue Tansa. Premier pas dans l'univers de la scène pour ces jeunes filles venues principalement de Ouagadougou et Kaya. 15 jours durant, elles se sont essayées à l'art humoristique à travers 3 ateliers,
Au cœur, la formation en écriture thématique et le texte humoristique, la formation au jeu d'acteurs. Elles ont aussi acquis des notions sur la création et la gestion de one-man show. Je ne savais pas que je pouvais écrire un texte d'humour et faire rire quelqu'un. Et grâce à cette formation, j'ai développé déjà une passion pour l'écriture du texte humoristique. Et également, j'ai vu un peu le monde qu'il y a. On a eu même à aller suivre un spectacle pour mieux apprendre. Et voilà, on a beaucoup appris. Ce projet, porté par l'association Ellipse, entend ainsi promouvoir le métier de l'humour, surtout du côté de la jeune féminine. Je pense que quand même, elles ont pu apprendre un tant soit peu quelque chose, les béabas de l'humour. Il faut dire qu'en 3 semaines, on ne peut pas tout de suite dire qu'on est humoriste. Mais ce qu'elles sont en train de nous montrer là, je trouve qu'elles ont assimilé, elles ont appris beaucoup de choses. Ce projet s'intéresse à la jeune féminine qui s'intéresse au domaine de l'humour au Burkina Faso. Quand on sait que ce domaine-là est plus représenté par les hommes que par les femmes, les connaissances acquises par ces bénéficiaires-là, voilà, devrait leur permettre de proposer des œuvres de qualité, d'être plus compétitives sur le marché de l'humour. L'initiative est à sa deuxième phase et à l'issue de la formation, 2 filles seront retenues pour une formation professionnelle plus accrue. Dans l'actualité ce soir, réputé être l'un des fiefs du Balafon et des Tam-Tam Abobo Dioulasso, le quartier Bolomakoté a toujours vécu dans la bonne ambiance à travers ses cabarets. Des cabarets qui ont forgé plusieurs artistes traditionnels et inspiré des titres à succès. Et cette position a valu au secteur 6 de la ville de Bobo Dioulasso d'être connu au plan national et international. Mais aujourd'hui, force est de constater que l'atmosphère joyeuse qui animait Bolomakoté tend à disparaître. Certains cabarets sont en ruine et ceux qui ont résisté au temps sont en silencieuse ou soit animés par la musique moderne à travers les radios. Toute chose qui impacte négativement les musiciens et résidents dans le quartier. Pourquoi donc cette situation? Adama Julien Dambélé tente de répondre. Bolcott City, Blocos, les 06 ou encore le S6. Autant de noms communs qui désignent le secteur numéro 6 de Bobo Dioulasso, Bolomakoté. Une réputation construite sur l'ambiance traditionnelle jadis permanente dans ce quartier à travers les cabarets. La musique, Balanfon Djemé au cabaret. C'était ça, Bolomakoté en fait. Il y avait trop de l'ambiance. Lundi jusqu'à lundi, tous les jours en fait. Nous on commençait au cabaret à 11h. 11h30 jusqu'à 19h, 20h, ça dépend. Si tu ne vois pas les gens qui sont en train de jouer au cabaret, il y a les cours de percussion, les cours de danse. Quand les gens sont en train de donner, les gens viennent de l'extérieur pour venir apprendre et puis repartir. Les gens venaient de partout pour écouter le balafon dans les cabarets d'ici. Les musiciens de Banfora, de Tengrela et d'ailleurs venaient également jouer dans ces cabarets. De ces cabarets ont émergé plusieurs artistes et des titres à succès qui ont fait connaître le nom de Bolomakoté hors de nos frontières. C'est l'exemple de la troupe Farafina de Mama Konaté et de Sungalo Koulibaly. Une troupe qui a fait le plein du stade de Wembley en Angleterre avec le titre « Gulikana Irie ». Il faisait bon vivre ici à Bolomakoté. Nous étions organisés en association et chaque association organisait des animations et s'invitait mutuellement. De nos jours, force est de constater que cette ambiance disparaît à Bolomakoté. Certains cabarets n'existent plus. Ceux qui ont résisté au temps vivent au rythme de la modernité. La musique mondaine a remplacé les balafons et les tam-tams. Au cabaret maintenant, c'est rare tu vas voir le balafon. Au lieu de travailler comme ça, c'est bien de chercher un appareil de musique et puis mettre la musique pour jouer. On voit que nous sommes en train de délaisser notre traditionnel, en train de partir dans le truc moderne. L'ambiance traditionnelle dans le quartier, ça nous manque. On ne peut pas mentir, vraiment, ça nous manque beaucoup. Ça nous manque. Une situation qui impacte énormément les musiciens résidant dans le quartier.
eux, qui subsistaient grâce aux animations dans les cabarets et les différentes cérémonies auxquelles ils étaient invités. Hier, on a joué dans un cave, un buvette. Voilà. Ça, on a joué. Mais je ne sais pas comment avant. Il y a de l'endroit que okay, ça ambiance partout. C'est pas comme, actuellement, là, ce n'est pas comme ça. Ça joue beaucoup sur les musiciens. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on n'a plus les baptêmes qu'on d'antan, on n'a plus les cérémonies où ils invitaient les musiciens, tradis modernes ou tradis tout court. Mais voilà, maintenant que ça tout est aux arrêts maintenant. Tous espèrent donc le retour de cette culture de l'ambiance qui définit Bolomakoté pour que vive le quartier et à travers lui, la culture burkinabé. Dans la suite de ce journal, ce communiqué du ministre en charge de la Santé et de l'Hygiène publique. Le samedi 12 novembre 2022, une sage-femme d'État, une aide-soignante, une fille de salle et un vigile du centre hospitalier universitaire de Tengango ont été agressés par arme blanche par un accompagnateur d'une patiente décédée. Trois de ces agents grièvement blessés sont actuellement pris en charge par les équipes du centre hospitalier universitaire de Tengango. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique condamne fermement cet acte inacceptable de violence sur des agents de santé dans l'exercice de leurs fonctions et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Il est solidaire du personnel du CHU de Tengango et de l'ensemble des agents de santé du Burkina Faso qui s'investissent de jour comme de nuit pour le bien-être des populations. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique déplore le décès de la patiente et présente ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Une enquête a été ouverte sur les circonstances du drame. En attendant les conclusions des investigations, le ministère informe l'opinion que la cause du décès n'est pas du tout celle qui est évoquée par certains sur les réseaux sociaux et qui font état de ce que la patiente serait tombée de son lit. C'est signé donc le ministre Dr Lucien Jean-Claude Kargougou. Et justement, une équipe du gouvernement burkinabé s'est rendue en fin de soirée de ce samedi 12 novembre au centre hospitalier universitaire de Tongengo, quelque temps après le décès de la patiente suivie de l'agression d'agents de santé par son époux. L'objectif étant de s'enquérir de l'état de santé des agents agressés et de témoigner tout le soutien du gouvernement burkinabé au personnel de l'hôpital. En attendant de revenir sur cette information avec de plus amples détails, cette visite, donc, je vous invite à écouter le ministre porte-parole du gouvernement au micro de Yann Kiteda. Aujourd'hui, quatre agents du centre hospitalier universitaire Tengango, dont trois agents de santé et un vigile, ont été victimes d'une agression par arme blanche par un accompagnateur d'une patiente malheureusement décédée. Les services du CHU Tengango sont d'ores et déjà à pied d'œuvre pour assurer une prise en charge adéquate de ces blessés. Des explications qui ont été reçues, heureux de voir qu'il y a deux ce soir qui sont hors de danger, deux qui sont toujours prises en charge, mais le constat que l'on fait, c'est que toutes les conditions sont réunies pour que la prise en charge soit optimale. Et ce qu'il faut dire également, c'est que des instructions ont été données pour que toutes les charges liées à cette prise en charge soient supportées par l'État et non par les familles. Alors, le deuxième élément important, c'était de rencontrer ce personnel-là qui a été choqué, traumatisé par l'agression de ce matin, pour leur apporter un message de réconfort, de soutien, parce que on peut dire que ce sont
les guerriers de la santé, parce que ce soir, malgré le traumatisme, ils sont toujours mobilisés dans tous les services pour la prise en charge des patients. Ce qu'il faut dire également, c'est que cette délégation gouvernementale apporte également sa solidarité et sa compassion à la famille du patient décédé. En l'état actuel des choses, ce que le gouvernement demande également aux citoyens, c'est de faire attention à l'information dans des circonstances pareilles. Les premières informations qui ont circulé faisaient état d'un patient qui serait tombé d'un lit d'hôpital et qui aurait perdu la vie. Ce qu'on peut dire ce soir, c'est que le dossier est entre les mains de la justice, qui a déjà pris les dispositions pour que des investigations puissent être menées sur cet incident. En attendant, bien sûr, les conclusions, ce qu'on peut dire déjà, c'est que les premières informations qui ont circulé sur les réseaux sociaux sont complètement fausses. Et il faut se garder, en pareille circonstance, de jeter l'anathème sur un personnel aussi dévoué que le personnel de la santé. Au-delà du personnel, les responsables de l'hôpital du CHU Tengango, ou du directeur général, depuis le matin, depuis les premiers moments de l'incident, sont mobilisés. Nous reviendrons plus en détail sur cette information dans nos prochaines éditions du sport pour refermer ce journal. Le handball burkinabé est bientôt mis à l'épreuve sous régional du 21 au 27 novembre prochain. Les étalons juniors participent à Abidjan à l'IHF. C'est un tournoi de leur catégorie. Quelles sont les chances des joueurs burkinabés? On en parle avec Christelle Dabré. Ne pas balbutier son handball au prochain Challenge Trophy. C'est le pari de la Fédération Burkinabé. Pour ne pas se louper, un choix rigoureux des hommes s'impose, d'où le regroupement de la trentaine de handballeurs. La sélection a été faite pendant les phases finales, donc on les a regroupés. Nous sommes en train de finir la phase de présélection. Il faut retenir 14 personnes pour aller représenter le Burkina Faso. Je compte apporter mon expertise en défense. Et aussi, bon, je sais faire des tirs en neuf, bon, je peux marquer de loin et puis tout. Ici, on est vraiment enfermé dans notre championnat et tout. On peut se croire bon, mais on n'a jamais vu ce que les autres peuvent faire. Donc, c'est l'occasion pour nous d'aller voir et d'aller apprendre aussi. Pour proposer un cru rompu aux exigences de la haute compétition, la direction technique nationale compte sur la perspicacité et l'œil avisé des entraîneurs. Nous avons besoin de cela. Et nous nommons ça le sport pour que l'excellence sente que le Burkina vit. Et malgré tout ce qu'on attend de gauche à droite, qu'ils soient les ambassadeurs sportivement de notre pays. Dans ce stage, outre les entraînements classiques, les appelés se mesurent aux aînés qui ont déjà l'expérience du tournoi. Nous, on va aller avec des joueurs, avec la catégorie donnée, comme ce sont des juniors, mais on ne sait pas les autres pays, ils vont amener quoi. Peut-être qu'ils vont amener des seniors. Nous, on est allé jouer avec des seniors où nos coachs même disent qu'ils ont joué avec. Donc, il faut qu'eux, ils s'attendent à tout. Pour nous, c'est évident que déjà, dans ce tournoi junior, c'est de préparer en même temps les seniors de demain. Le Challenge Trophy de la zone 3 se tient à Abidjan du 21 au 27 novembre prochain dans les catégories cadettes juniors. Mis en place dans les années 2000 par la Fédération internationale de handball, le tournoi vise le développement de la discipline dans les pays les moins avancés. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.